J'espère que vous allez bien. Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, je vais bien. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Caroline et je suis très enchantée que tu puisses voir cette vidéo. Voilà, et je prie que tu sois bénie par cette vidéo, tout simplement, et puis que tu t'abonnes. Abonne-toi. La vidéo d'aujourd'hui, c'est le même concept que la dernière vidéo. Donc, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à cliquer ici, soit après la vidéo, pour être sûr que tu finis de regarder celle-ci, soit tu te fais confiance, tu fais pause, tu regardes l'autre et après tu reviens, ok? Donc, c'est le concept un message, une vidéo. Et le message que je vais vous lire tout de suite après le générique est un message qui me parle très, 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 très profondément. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, le message est le suivant. Coucou, comment continuer de croire quand Jésus ne cesse de te décevoir quand il ne te donne pas ce que ton cœur désire? Je t'invite tout de suite à cliquer, faire pause et revenir sur le lien que je mettrai là encore qui est la vidéo de mon témoignage du fait que de mon désir d'avoir un enfant. Pour répondre à cette question, je vais parler pour moi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai donné ma vie et je lui ai donné le contrôle total de ma vie parce que je sais qu'il m'aime. Parce que dans sa parole, il m'a promis qu'il veillerait sur moi, qu'il me gardera. Il y a un passage de la Bible qui dit: j'ai ordonné à mes anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Voilà, je mettrai le verset ici. Et il y a aussi ce passage, ce merveilleux passage de Jésus, qui dit « Car je connais les projets que j'ai établis pour toi, des projets de paix et de bonheur, afin que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. » Ok, donc je lui ai donné ma vie sur cette base-là. Parce que je sais qu'il m'aime et qu'il fera toujours tout pour assurer ma paix, pour assurer mon espérance, pour assurer mon bonheur. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, je lui ai dit: Seigneur, ta volonté avant la mienne, ta volonté et pas la mienne. Parce que moi, en fait, je ne vois pas demain. Toi, Jésus, tu connais ce qui va se passer demain. Tu sais si demain j'ai ça, est-ce que ça ira? Si j'ai pas ça, est-ce que ça ira pas? Enfin, tu sais, moi je sais pas. Jésus ne faillit pas et Jésus ne se trompe jamais. Et on est déçu quand on oublie en fait que c'est pas parce que je demande que Dieu est obligé de le faire. Dieu ne me doit rien et je ne mérite rien. Tout ce que j'ai, c'est la grâce. On est déçu de Dieu quand on pense qu'il faut qu'on ait ce qu'on veut à l'instant même où on le demande. C'est pas comme ça. Des fois, Dieu veut nous apprendre des choses. Des fois, Dieu nous protège de quelque chose. Des fois, nous, on ne comprend pas. Mais en fait, tout ce qu'on doit dire, c'est: ok, Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste encore là. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais je sais que tu as raison. Quand tu as ce sentiment un peu de déception ou ce sentiment d'incompréhension, ouvre ta Bible. Ce passage, moi, je le bois. Les projets que j'ai pour toi. Les projets que j'ai pour toi. Des projets de bonheur, de paix. Pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Alors continue d'espérer. L'amour, la foi et l'espérance. Et quand la foi et l'espérance ne seront plus, l'amour restera. Appuie-toi sur l'amour de Dieu. Dis-toi que Dieu, il agit. Et tout ce qu'il fait n'est motivé que par son amour pour toi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à encourager ou à commenter, à liker aussi. Et si tu penses que cette vidéo peut bénir quelqu'un, tu fais un petit partage. Et voilà.
Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne matinée ou je te souhaite une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo, frère ou soeur. En tout cas, que Dieu te bénisse et Jésus t'aime. Bye bye!